Alors, je vais vous présenter le livre que je suis en train de lire, qui s'appelle Comment je suis devenu un écrivain célèbre, de Steve Haley, qui est donc une traduction de l'américain. En anglais, c'est How I Became a Famous Novelist. Donc, c'est un livre très drôle, très satirique, comme les Américains savent le faire. Je trouve que les Français, eux, en ce moment, manquent un peu d'humour. Les Américains font des livres drôles. Celui-ci en plus est intéressant parce que il joue avec, il déconstruit les clichés de la littérature. Il montre comment on peut écrire un livre qui va avoir du succès en s'exprimant, en écrivant juste avec des techniques qui donnent des lieux communs ou qui racontent des histoires qui ont été racontées 1000 fois. Et donc c'est une caricature du monde littéraire, de la littérature contemporaine. J'aime bien, en fait, j'aime bien à la fois la démarche satirique, et j'aime bien aussi parce que ça permet de, c'est comme une approche structuraliste, si vous voulez, ça permet de démonter les codes littéraires, et ça m'intéresse. C'est un petit peu ce qu'on appelle en français une mise en abîme, c'est-à-dire que c'est un livre qui parle des livres, c'est un livre qui parle de la littérature de façon très drôle. Et donc voilà, j'en suis à la moitié, et ça me fait bien rire. Voilà.